la prise. J'ai eu un mal fou à trouver votre bicoque. Hubert est là. Une petite minute. Je vous ouvre le portail. Allez, ma fiotte, en chariote. Putain, Godefroy, il y a une méga tuile. C'est Cora, la femme du cousin Hubert. Allez, vite, vous cachez, vite, vite. Ah, non, Hubert. Ça fait 10 ans que tu te caches. Cette fois-ci, je ne te laisserai pas te défiler. C'est papa? Oui. Il a bien changé. Je t'aurais à peine reconnu. T'as pris un coup de vieux redoutable, Hubert. La vie ne t'a point épargné non plus, mamie. J'aurais pu ne point te reconnaître, moi aussi. Tu es toujours aussi désagréable, alors là, j'ai plus aucun doute. C'est bien toi. Qu'est-ce que cette femelle? Il faut lui couper la langue. Pardon? Silence, larveux. Papa, tu n'embrasses pas ta fille? Oh, c'est une fillotte à la belle bâtarde. Hub est devenu amnésique, Cora. Alors il va falloir être très patient. Voilà, c'est Philippine, hein, Hub, ta fille, que tu as eue avec Cora, qui est ta femme. Belle Lipine, te voir me cause grand bonheur. Ma descendance est belle et pure comme la rosée du matin. J'ai tellement attendu, papa. T'es resté tout ce temps à Bornéo? La bâtarde, ça n'est point légitime, il faut la mettre en couvent. Oh. Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi, Sœur Abia? C'est vous que j'ai eu hier soir au téléphone? Ah oui, c'est ça, c'est lui. Comme d'habitude, tu as dégoté des copains qui sont top. Top. Peut-être que ta fille compte encore un peu pour toi. Est-ce que tu auras au moins la décence d'assister à la cérémonie? Alors ça, ça va pas être possible du tout. Je ne peux point rester, femme. Mon destin m'attend et je dois vous quitter le cœur gros. Oh, quelle misère! Quelle pitié d'abandonner cette bastarde! Mais papa, je t'en supplie. J'ai le sang troublé par ta requête, jeune vierge. Mais je ne peux point y accéder. Mon âme reste ici avec toi. Mais mon corps doit s'en aller. C'est bien malheureux, hein, mais c'est comme ça. Oh. Viens, Philippine. Ton père est un dégueulasse. Je suis affreusement déçue. Moi aussi, je suis très déçue. C'est quoi ce nouveau genre qu'a pris Hubert de parler comme un vieux bouquin? Oh, une envie de retrouver ses racines, je suppose. Et le copain débile, là, il le sort d'où? Aucune idée. Mais est-ce qu'il est déjà malé, là, hein? Fort. En chariote, Maro! Ce n'est que de l'eau, nous ne sommes point femmelettes. En chariote! Mais qu'est-ce qu'ils ont encore été foutus, les deux cons? C'est la faute des pompiers, Jean-Pierre! La voiture était pleine de flotte! Je pense que le moteur est naze, Franck! Allons, on tarde trop! Il nous faut retrouver la dentelette de Saint-Roland!